Là, une autre vidéo sur. J'aurais dû filmer avant, voilà. Parce que là, tout ce rectangle que vous voyez, c'était une cheminée en fait. Et il y a le conduit pour le poêle à bois, voilà, qui monte jusqu'au tout en haut de la cheminée, le conduit. Donc je l'ai branché directement. J'ai bricolé un petit peu. Mais tu avais trop de vent qui venait de la cheminée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la laine de roche. Et la laine de roche, l'avantage c'est que c'est malléable, comme vous pouvez le voir. Et ça conserve la chaleur et ça brûle pas la laine de roche. Que ce soit la laine de roche volcanique, mais sans craft, sans le papier. Si tu me laisses le papier, ça va brûler. En plus, pour dépanner, quoi, avant une solution définitive, au moins t'as pas de vent qui descend. Ça passe pour une solution, voilà. Bois. Et voilà le. J'ai même pris trop en fait. On dirait un petit matelas. C'est malléable. Donc, isolation de la cheminée. Voilà, maintenant, le seul vent qui passe, il passe directement par le poêle à bois ici. C'est ça qu'on entend. Et ce que j'ai fait aussi, voilà, des rideaux. Des rideaux, comment ça s'appelle? Isotherme. Voilà, des rideaux isotherme. Voilà, avec des, comment ça s'appelle? Il faut que je nettoie un petit peu. Il faudra que je refasse la peinture. Avec des, comment ça s'appelle? Des tringles adaptables sur ça. Comme ça, quand j'aurai à faire la peinture, voilà, je les enlève facilement, je les remettrai facilement. C'est des rideaux spéciaux isotherme, hein, voilà, qui conserveront la chaleur à l'intérieur. Voilà, important pour conserver de la chaleur à l'intérieur. Voilà. En plein bricolage. Pareil à l'étage pour les rideaux. Je sais pas si j'en ferai une vidéo complémentaire. Ouais, quoique ça va ensemble, l'isolation. Je suis en train d'isoler bien la maison, voilà, pour que. Voilà, pour que les bûches elles servent à quelque chose, quoi. Qu'il n'y ait pas qu'à faire joli quand elles brûlent. D'accord, moi ça sert à chauffer. Et ce qui est bien avec le poêle à bois, c'est que ça chauffe aussi les étages, le conduit. Il est chaud dans les étages supérieurs, au premier, au deuxième. Donc voilà, la petite lampe. Voilà, et le bois d'allumage. Je ferai peut-être une vidéo sur comment allumer un feu avec le bois d'allumage. Le gros bois, j'ai repris du bois d'allumage parce que j'en ai presque plus. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Tuto. Tchuss, à plus.